J'ai l'aide des dieux à placer Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Leur dessein dépasse notre compréhension. C'est où, Andros? Donc je vais... Oh, j'aurais pu faire ça quand même à la défense. Il y a EB où il y a des choses à faire. Skyros. Tout ça, c'est des choses de mon niveau. Hein. Locris. Ah, lui, par contre, ça peut voir le coup de se faire. Apollo Gross. Ah ouais, si j'arrive à me le faire... Ah, il est un peu haut, quand même. Nous n'avons d'autre choix, bien sûr. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comment Pénor ? Il faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle ! Apollon ne le tolérerait pas ! Ce serpent recherche ma... J'avais pas marqué la carte. Andros. Ah ! Et il y a un homme du culte sur Andros. Et je dois la trouver avant. Je pense qu'ils en prendront aussi d'autres personnes qui se posent en l'office de l'oracle corrompu est maintenant très clair. J'avais pas une quête qui me disait de massacrer des. Des pirates. Ça pourrait être massacré. Par Zeus, tu as une vie compliquée. J'ai pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais trois ennemis. Si j'avais une tête qui me disait. Allez. C'est ce que j'aime, chérie. Faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros. Nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il est vieux. Et son état est amélioré. J'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer! Par Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Mon père m'a appris que la mer était toute une. Et j'ai déjà amélioré une mer. Oh, un cachalot. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les avoir pour se servir. Alors allons-y! Partons à la chasse aux pirates! Maintenant, nous pouvons améliorer la coque du navire. Allez. Plus de risques! Nulle part. Quelque chose dans l'eau. On le repaye pas. On va pas s'ennuyer à aborder tout ça. Préparez vos flèches. Ce navire est fini. Parez à tirer. Tirez sur eux. En position. Voilà. Hop. Sortez les avirons. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à looter là-bas. Plus vite. Ah, il prend le loot avant. À la voile. Entrez les rames. Là, des choses à repêcher. Ralentissez. Il y a quelque chose par là, il y a un camp. Ah oui, il y a un camp. Préparez vos avirons. Il y a un truc par là. Les dieux sont avec nous aujourd'hui, Alexios. La mer est calme et le vent est chaud. Ah oui, mais c'est la bataille de Salamine, c'est pour ça. Oh, joli, ils sont... On va les piller les trésors. C'est splendide. Oui, mon ami. Tu peux le dire. Doucement. Voilà. Ils sont quel niveau les requins ?
Hop, hop, hop. Oh. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il me le dit, Icaros? Voilà. Allez, go. Donc, il y en a. Il y en avait deux. Ok. C'est tout. Donc maintenant je peux avoir des perses en mode d'équipage. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Allez. J'ai des assassins, ça va être plus stylé quand même. Ah c'est cool, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une carte du monde. Vitesse de voile. Allez. On va par là-bas. J'avais pas une quête quand même qui me disait ça me perturbe. Sur les pirates. Prime sur mercenaire, m'intéresse pas. Ah bah c'est bon, ça se fait tout seul. On devrait récupérer ce qui flotte. Repliez la voile. Préparez vos armes! Sale temps pour être en mer, capitaine! Tirez! Projectile enflammé! Tirez! Hors de danger! Je dois dire que tu m'as fait peur cette fois, capitaine! Bon, y'a pas quoi avoir peur. Abaissez la voile! Donc là, j'en suis à 4. Ça, ça va être du beau navire, ça. Mais c'est spartiate. Je vois la voile avec le triangle. Oh, deux voiles en plus. Je vous avouerai que ça me démange d'aller y aborder, ça. Dans l'eau, il y a des débris. Par contre, je pense que ça doit faire bien mal quand il s'énerve. Alors, l'édifice se trouve sur l'île d'Andros. Ouais, on va pas se faire tous les trésors qu'on croise. Hein. Je ferai des épisodes spécialement pour ça. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas avoir une belle crière de frères de guerre comme nous. Qui pourrait avoir le coup éventuellement, ce serait que je m'arrête et que je fasse les... Ah, là il y en a un. Oui, là il y en a un ici. Niveau 16. Niveau 16. 19. 18. On va aller se faire ça là, Andros, et puis je pense qu'après on reviendra sur Robert.
la baie de Marathon. Ou sinon je m'arrête. On va ici faire, je pense que ça va être autant. Je ne suis pas sûr. L'endroit où le grand Thésée a tué le redoutable taureau. Ouais, on va y aller. Ça ne prendra pas trop de temps, ça doit être là-haut. Je pense qu'il vaut mieux se le faire maintenant, j'y perdrai moins de temps à y faire là en passant qu'à essayer de revenir après. Donc je vous prie de m'excuser, hein, je sais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus palpitant, mais hop, et j'ai oublié de lancer le chrono. Bon bah je verrai dans une demi-heure, je pense que dans une demi-heure ça fera bien 50 minutes. J'ai appelé cheval, mais je sais pas s'il va me servir. Non, il va pas me servir. Allez, on escalade. Temple de Poséidon. Hop. Là, ça doit être ramassé, ça. Ok. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Allez. Bon, tu grimpes ou tu grimpes pas? Des fois, il y a du mal. Bon, bah ça fait un point de TP de découvert. Ouais, je vais pas voler plus, après il y a des témoins. Alors, la carte. Parce que pour rappel, on peut se téléporter. Mort et impôt, ouais. Donc là, c'était juste pour prendre le point de TP. Comme ça, c'est fait. Vu que j'ai dit que je reviendrai ici après, parce qu'il y a un adepte sur l'île aussi qu'il faut que je traque. Je me fais les pirates sur le trajet ou pas? Ouais, il faut réabandonner, faut que j'aille. Commencez à ramer! J'étais pris pour être utile! Relevez les rames! Les requins me suivent, ils savent qu'il va y avoir un bon repas. Allez, on va se les... Ouais, non, on se fera à la prochaine occasion. Bon, bah, ils ont décidé. J'ai besoin d'archers. Tu nous crois capable de nous avoir dit vous? Il s'envoie une volée en falaise. Maintenant! Est-ce qu'il est prêt à tirer sur nous? Capitaine, il faut se préparer au top ou s'écarter. Je vois quelque chose à remonter. Les lances, vite! Archer! Prêt! Il se prépare à tirer! Les lances, maintenant! Des archers devant! Il se prépare à tirer! Ils tirent sur nous! Malaga! Ils vont nous déprôner! Ils sont coincés! Oh. C'est juste pour refaire la santé.
Ok. Ah, c'est un des miens celui-là. Pardon. Ouais, moi, ce qu'on a essayé son nom. Hop. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. Archer, préparez-vous! Attention, ils vont tirer! Tout le monde pour le cheval! Aidez! Tirez! Tirez! Ils s'apprêtent à tirer! Attends, on est rechargé! Des flèches! Protégez-vous! Ils Hop. Sont prêts à tirer! Embrochez-les! Méfiez-vous de ces flèches! Allumez vos armes! Arc! Attaquez! Attaquez! Les lances! Ne pas plus bouger! Plus de vitesse! Nous sommes à pleine allure! La vie, bravo! Augmentez la vitesse! Les archers devant! Attention, du feu cette fois! Ils ont allumé leurs projectiles. L'ennemi tire des flèches. Les lances. Tire ennemi imminent. Archer, soyez prêts. On est bouqués. Viens le feu. Mais non, y'a pas le coup, t'inquiète pas. Ils sont prêts à tirer sur nous. Viens. Leur point faible, ils ne peuvent plus naviguer. À vous un. Allez. On passe à l'abordage. Là, j'ai déclenché l'attaque spéciale. Du coup, ouais, c'est bien de prendre le bouton auquel je pensais. Je l'avais paramétré dessus, il n'y a pas de souci. Allez, hop. Alors c'est juste de l'esthétisme ça. Non mais je veux pas parler. Et les requins qui se font un petit festin. Ralentissez. Allez, tourne. Allez. Vitesse d'étronnage. Nous sommes à pleine vitesse. Allez, on va récupérer un petit peu tout ce qui flotte. Des choses à récupérer, tout prêt. Voilà. Bon, jusque-là, ça se présente plutôt bien. Et normalement, j'ai fait ma quête avec les pirates. C'est fini. Il fallait s'en faire 5, j'en ai fait 6 ou 7. Du coup, c'est pas trop mal. On va pas chercher la querelle auprès des Spartiates, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui est dommage, c'est vraiment quand on tue un marin, que ça compte pas comme un soldat.
Parce que quand je faisais la traque... Vas-y. Talence. D'où as-tu ? Ma mère m'a dit que l'armée spartiate l'avait rapporté de la bataille. Pourquoi la lui a-t-on prise ? Léonidas était son père. Incroyable ! Et elle t'offre des visions. Peut-être c'est-elle de te guider, de te montrer une route. Ce n'est pas tout. Elle m'aide, tu vois. Que veux-tu dire ? C'est difficile à décrire. C'est comme si je connaissais le prochain coup de mon adversaire, juste avant tout. Vraiment extraordinaire. Ah, et l'Athénien. Oui, nous pourrons y voir le troupeau du plus grand myrmidon, Achille. Andros produit surtout l'un des marbres les plus précieux au monde. Cela m'intéresse davantage. Donc Andros, c'est où il y avait, de ce que j'ai compris, la tombe d'Achille. Et une carrière de marbre assez exceptionnelle. Donc faut que l'édifice se trouve sur l'île d'Andros, qui se trouve dans la partie ouest de la forêt abandonnée. Ah bah c'est ici. Regardez, en plus il est bien marqué là. On peut pas le manquer. Terre de pillage. C'est ça, oui. Et y a pas un point de synchro dans le coin là ? Ah, là-haut il y a un temple. Ah, ils prennent des photos à l'intérieur les gens, mais ça je m'en moque. Ok. Ouais, il doit y avoir un point de TP pas loin. Par contre, on voit que je suis vraiment pas puissant à l'arc. Hein. Là-haut, il y avait un ours. C'est une Allez. Porte. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. C'est vrai que c'est joli. Ah, attendez, il y avait une sacoche. Comment je vais entrer ? Je me demande si... Il y a une sacoche en bas à gauche, là. Tu es là ! Montre-toi ! L'hésitation conduit toujours à... La tombe ! Je sais, mère ! Ta forme s'améliore et tu es résolue, mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire ! Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas ! Tu es assez grand. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais tu es prêt. Je l'ai senti. Ah ? Cette lance, elle est magique. Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous ? Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les empêcherai. Je le sais. Tu es un guerrier. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin,
Nous serons à Tusha. Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Oh. Ça expliquerait pourquoi ils en veulent à toute la branche de la famille. Mère, je ne t'ai pas oublié. Bon, je suppose qu'ils ne laisseront pas ramasser le sac que j'ai vu, là. Pas grave, on regardera la sortie s'il est toujours là. Par les dieux, qui a bâti tout ça? Par contre, je trouve que les effets de lumière rendent superbement bien. Comment un endroit pareil peut-il exister? C'est grand. Ça fait penser un petit peu à la grande chambre dans les pyramides. Je parle pas du jeu. Enfin, la grande chambre, c'est vrai qu'elle Comment est un petit pourrais-je peu... Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? C'est quoi? Non, il n'y a rien à faire. Non. Il n'y a pas d'interrupteur pour allumer la lumière, des fois? On sait jamais. Quelque chose brille là-bas. Ah, là il y a la lance. C'est quoi ça? Une hache. Oui, de toute façon la lumière est là. Je sais que c'est là-bas qu'ils veulent que j'aille. Une hache. Une hache. J'ai fait deux fois le même ou... Une autre hache. D'accord, ok. Et bah ben, ça se trouve, ça veut dire qu'il y a 4 armes à retrouver et que les 4 ont été forgées ici. Non, là il dit rien. Allez. Alors je veux bien le mec que je sois pas un génie ou que je suis pas un abruti, mais de la comprendre qu'il fallait mettre ça là-dedans. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Là, c'est quand même vachement poussé. Hop. Excusez-moi, je me réinstalle sur ma chaise. Hop. À l'aise. Ah. Retour dans le monde présent. Qu'est-ce qui sont d'un inintérêt ces sessions de jeu? La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Issou, Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu, avant de retourner voir Alexios. Le repos, c'est plus tard. Les équipes d'Abstergo sont peut-être en train de nous chercher. Et il y a des gens pour s'occuper d'eux. Si tu craques là-dedans, la mission s'arrêtera. On m'avait bien dit que t'étais gentille avec tes patients. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi je suis là, si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Honnêtement, ça j'en ai rien à faire. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Ok, ils veulent qu'on fasse des choses ici. Ah, mais c'est l'aigle de... Les aigles, c'est super. Mais ce serait bon d'avoir un singe aussi. Pourquoi...
C'est quoi ce remarque à la con? Les eggs, c'est bien, mais un singe. Il doit y avoir un easter egg quelque part. Le centre de l'univers, vers moins 400. Quoi, le centre de l'univers? Le centre de notre univers, parce qu'on est une civilisation gréco-romaine, bon, c'est tout. Mais... Oh non, 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 sachant que ça me... Ah si, il y a un truc qui pourrait être marrant, c'est... Non, on n'y avait pas accès, donc non. Hop, qu'est-ce que ça dit, là? C'est fascinant. Leila, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais, il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Hérodote, c'était un... on va dire le premier chroniqueur, pas le premier historien. Enfin si, c'est celui qui a soi-disant lancé le... Je me demande si les jumeaux Fry reconnaîtraient l'ombre. Mais un toit, ça reste un toit. Ah. Comment ça se passe là-bas? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. Ouais. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je la signerai. Honnêtement, ça m'intéresse pas des masses, l'histoire du présent. C'est les trucs qui m'ont toujours sorti de l'aventure. Ah. On n'a pas crétin. Ok, merci. Ubisoft, ça servait à rien. On peut repartir? Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus? Ok, comment perdre 10 minutes de votre temps? Non, j'ai plus rien à faire là. Je suis prête à retrouver Alexios. Très bien. Je surveille tes arrières. Ça, c'est le truc que j'ai jamais compris dans les Assassin's Creed. Ils sont obstinés à faire ça. Ils sont obstinés à maintenir des phases dans le présent, hein, avec tout ça, l'Animus et compagnie, juste parce que c'est le pitch du premier, mais franchement, ça, c'était le truc de trop. Déjà dans Unity, ça m'avait gonflé. Mais enfin. Je trouve que ça nous sort complètement de l'histoire. Balance a gagné en puissance. Le culte n'a aucune chance. Alors... Lance de Nidas. Améliorer la lance ici, à la forge des Phaistos, à l'aide de fragments d'artefacts. Son amélioration augmente votre adrénaline et débloque les aptitudes plus puissantes. Récupérer des fragments d'artefacts et des, sur des membres du culte du... Ouais, ok. Ah oui, bah maintenant je peux avoir des trucs en plus, en effet. En effet, en effet, en effet. Ah, c'était parce que j'avais pas ça que j'étais... Ça, ça peut être sympa. Mais ça me doit me prendre une compétence de corps à corps, je pense. Et ça, c'est bien. Du coup, ça, je pourrais y booster. Ouais, déjà là, j'ai mis des dots de feu en plus. Ok. Donc maintenant, ça veut dire que je ne suis plus limité parce que j'ai amélioré la lance. C'est déjà ça. Par contre, là, on voit que je pêche, c'est vraiment sur le... Ça va plaire à Hérodote. Ouais, ça apporte rien. A clairement séjourné ici. Bien avant nous. Ouais, va falloir que je continue de l'améliorer, je suppose, pour pouvoir l'amener à ses capacités maximales, pour pouvoir avoir du stuff, enfin le stuff, les aptitudes à fond. Nidas connaissait cet endroit. Bon, alors est-ce que je vais réussir à mettre la main sur ce touche assez facilement? Bah, en tout cas, elle connaît le chemin.
Ils me laisseront pas ramasser le... Ils me laisseront pas ramasser le fric, hein. Tu es facile à trouver. Tu es venu seul? Tout va bien? Cassandra, tu es vivante. Ne me touche pas. Allons, petite sœur. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. C'est vrai qu'elle était bébé. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. On est frères et sœurs. Et on a quitté Sparte en vie. Il a montré la vérité. Oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Je dis de cette montagne! Ah, il y a vraiment des problèmes de son, des fois. Si c'est ce que tu crois, Cassandra, c'est que tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Tu m'étonnes. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas un menteur comme toi. Il ne m'appelle pas Cassandra. D'accord, Deimos. Mais elle, je ne la connais pas. C'est une demi-déesse, vénérée et crainte par le culte et par toute la Grèce. Ça ressemble surtout à une fable. C'est une autre histoire inventée par le culte. Fais attention à ce que tu dis. Ah, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Tu ne l'as pas fait quand tu en avais l'occasion, et je doute que tu le fasses maintenant. Par contre... C'est idiot. Nous devons retrouver notre mère. Ah, je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Je cherche notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Myrine est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Le truc qui est moche, c'est que ça laisse pas forcément entendre ce qui va être dit après, donc je trouve que les résumés sont un peu foireux. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de... Elle nous a pas abandonné, notre mère, elle a cru qu'on était mort. Se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. Vaut mieux pas mentir. S'il est vrai que le culte nous cherche, dis-lui qu'il peut oublier Nikolaos. Il est introuvable. Je le sais, je l'ai cherché moi-même. Si j'ai pu trouver l'autre enfant perdu de Nikolaos, alors je peux le trouver. Et quand j'en serai là, il regrettera de ne pas avoir été jeté de cette montagne. Je me moque de ce... C'est pas ce que je voulais dire. Et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh! Tu penses que l'amitié résout tout? On devrait chercher notre mère comme des enfants perdus. Tu es trop faible. On va pas rentrer dans le conflit avec elle. Mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité? Oublie tes illusions. Le culte a un projet. Et il ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Bah, de toute façon, je vais pas avoir le choix. On va voir ça. Tu as épargné Myrine. Et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux. Alors il pense que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. En fait, elle est juste jalouse de nous pour l'instant. Enlever ta propre mère ne te suffit pas? Ce n'est pas un enlèvement, c'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, et ils paient pour cette erreur. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. Bon, bah on a plus le choix. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants, ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai?
Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. Non. Allez. Nous nous sommes quand même retrouvés, ma sœur. Je te dis de ne pas me toucher. Deimos ! Bon. On a évité le combat, c'est déjà ça. Je sais pas si on aurait pu la tuer maintenant. Hérodote, il faut que je lui dise ce qu'il s'est passé. Un bout de carte, s'il vous plaît. Oh. Bah avant d'aller voir, moi je vais retourner voir ici. Et puis j'allais voir l'autre adepte du culte là. Ouais, donc ça nous indique que c'est 69 mètres, 68 mètres plus bas. On s'est pas fait trop mal. Voilà. La sacoche. Tout ça pour ça. Allez, viens mon beau. On va explorer un petit peu cette île. Il y a autre chose que des chèvres sur cette île ou pas? Des chèvres, des sangliers. On va essayer de se faire la chimère. Ouais, j'ai oublié de récupérer des trucs. Mais il n'y a pas un bout de TP ici, hein. Rien. Là, j'ai vu un caillou qui brille. Ah, des lions. Voilà. Voilà. On va récupérer. Coriace et Lyon quand même. Et un bateau. La chimère. Ouais, je dois pouvoir me la faire assez facilement. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Merde. Sur toi.
Hey, active-toi. Allez. Hop, voilà. Coucou. J'espère que tu es bien. Mais je voulais pas y casser, je voulais y piller. Hop. Voilà. La graisse se portera mieux sans toi. Donc les boîtes Gagamemnon, c'est récupéré. Voilà. Ok, en parlant de ça, inventaire, on va voir les flèches, on en est où. Faut bien que je pense à m'en recrafter régulièrement. Donc là, j'ai récupéré les bottes d'Agamemnon. Dévoilement, ouais, grâce aux addis, ouais. Un adepte possède une carrière... et des esclaves en Attique. Bon, quand je serai en Attique, j'aurai des trucs sur lui. Ok. Fais voir un peu la carte, comment ça se présente. Il n'y a pas un seul point de TP là ? Bon bah ma foi, tant pis. On va se TP. Ah, je peux pas, je suis en zone de combat. Ouais, c'est pour ça. Attendez, inventaire. Avant de partir, parce qu'après je vais oublier. Les bottes. Voilà. Est-ce que j'ai eu des autres trucs? Ah, c'est la suite du torse que j'avais là. Hein. Ça a l'air d'être la suite. J'ai pas récupéré du loot mieux que ça. Non. Ça c'est aisé. Non, bon on va rester là-dessus, hein, c'est pas grave. Du coup, le TP. Ouais, on peut se TP directement dedans. Allez, direction le navire. Et une fois qu'on aura rendu cette quête, ça marquera la fin de l'épisode. Là je suis à 40 minutes au chrono. Je sais pas combien de temps j'ai lancé après avoir commencé. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ça au prochain épisode. Allez, ciao ciao les amis, à très bientôt.